Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mohamed Denis. Alors le sujet du jour, c'est les meilleures techniques de négociation. Bah oui, après avoir fait le tour de tous les escrocs sur le bon coin qui vendent des plays à plus de deux fois le prix d'origine, Mohamed Denis a fini par avoir quelques trucs à dire, quelques idées. D'ailleurs, faut savoir que les darons rebeux sont les meilleurs en négociation. C'est sinon les meilleurs qu'il y a sur Terre, enfin d'après Mohamed Denis. Enfin bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Bonne vidéo à tous. À Strasbourg en plus. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle suite à une annonce. Oui, pour la PS5. C'est ça, oui. Ouais. Elle est toujours disponible? Ouais, toujours dispo, ben, je viens de la recevoir là à l'instant. D'accord, c'est cool ça. C'est quoi le dernier prix que je peux me faire? 950, je pense. 950? Ouais. Tu me prends pour un pigeon, c'est ça? Non, du tout. Tu veux faire ta marche sur moi? Non, ça va, tranquille. Écoute-moi, t'es à Strasbourg, c'est ça? Écoute. T'es à Strasbourg? Le bon coin, c'est incroyable. À la base, c'est fait pour avoir des affaires. Oh là, c'est plus cher qu'au magasin, sur le bon coin. Oh là, c'est le double du prix du magasin. Je crois qu'ils ont pas compris le principe du site. C'est pour casser les prix. C'est des bonnes affaires, là. C'est des bonnes affaires. Ah non, là, c'est des hommes d'affaires qui vendent. Oh là, les gars. Déjà, si tu veux manipuler le vendeur, tu commences par « ça va, frère ». ».« Ça va, mon frère ». Déjà, tu veux le baiser, déjà. Si tu réponds « oui, toi, mon frère », ça y est. C'est foutu, les dans la poche. Déjà, si tu veux manipuler le vendeur. Ou alors, tu peux faire la technique des darons rebeux. Oh là, les darons rebeux, dis pas « ça va, frère ». ».« Ça va, chef ». Oh là, c'est pour manipuler le vendeur. Hé, chef, à combien tu me fais? Ou alors, tu peux faire la technique... Ah, sérieusement les amis, avec mon petit bonnet, on dirait pas le cambrioleur dans Maman j'ai raté l'avion. Oh là, il a le même bonnet comme ça qui remonte jusqu'au crâne. D'ailleurs c'est la période de Noël, c'est les films de Noël, c'est ce que je préfère les gars. Maman j'ai raté l'avion, j'attends Noël que pour ça, que pour regarder ce film. Maman j'ai raté l'avion, quel classique. S'il y aurait eu un film sur moi, ça aurait été Maman j'ai raté ma vie. Oh là les chômeurs, c'est ça le slogan. Maman, j'ai raté ma vie. Le 2. Les Johan Bonedan, c'est nulard à l'école. Eux, c'est pas maman, j'ai raté l'avion. C'est maman, j'ai raté mes études. Oh là, ils auraient pu... Les Johan. D'ailleurs, j'ai une idée pour le gouvernement. Ils veulent que les Français, ils restent chez eux. Acheter une PS5 pour chaque Français. Oh là, une Play pour chaque Français, les gars. C'est le programme. La vie de ma mère, c'est ça. Là, t'es sûr qu'ils vont rester chez eux. Vouloir acheter des ordinateurs du collège aux collégiens. Ils utilisent jamais, ils jouent aux échecs avec. Voilà, ils jouent au jeu, ça leur sert à rien. Ils font des TikTok. Achetez une Play à tout le monde et il n'y aura pas de problème. Tout le monde restera chez eux, même après le virus. Hein. Même après le. Même dès qu'il n'y aura plus le coronavirus, voilà, les gens ils resteront chez eux. Le virus? Tu crois à ça, toi? Tu crois au virus? Et les gars? Matez-moi ce trou de balle. Il y croit au virus. Regardez ce trou du cul, les gars. Tu vois pas, c'est une invention des Américains pour tuer les personnes âgées. Parce que s'il y a plus de retraités, il y a plus de régime des retraites. Et ils se casseront pas la tête à faire un régime des retraites. Et il passera président aux prochaines élections. Tu crois pas? Les gens sur le bon coin, c'est trop des escrocs. Le mec, il vend une voiture 30 000 euros. Tu lui dis, frérot, fais-moi un prix. Tu lui dis, tu sais quoi? Passe-moi 2000. Passe-moi 2000, je te la laisse. Voilà, il passe de 30 000 à 2000 en deux. Le pire sur le bon coin, c'est quoi? C'est vend iPhone 12 ou échange avec un quad. Wesh mon pote, c'est quoi ta vie en fait? Voilà, je comprends pas. Le mec il se dit, écoute, ou j'ai un bon téléphone, ou j'ai un petit véhicule pour me déplacer, ou un petit véhicule à moteur pour me déplacer. Je comprends pas. C'est pas comme s'il dit ouais un iPhone ou un MacBook. Là, je comprendrais un iPhone ou échange contre un quad. C'est quoi ça? Voilà, sur le bon coin, je comprends jamais leur délire. Voilà, vend une motocross. Ou échange contre un chien. Bulldog français de préférence. Une femelle. Voilà. Comment tu peux passer d'une motocross à un chien? C'est trop bizarre les échanges sur le bon coin. Attention aux darons robeux. C'est les rois de la négociation. Voilà.
un daron robeux, le truc il a 1000 euros, il te le fait baisser à 30 euros. Avec leur. Ça va, chef? Hey, ça va, chef? Salam alaikum! T'es de quelle origine? Algérien? Jazeer? Un Afani? Un Kif Kif? Un Deksa? Malahba? Et t'es d'où en Algérie? Moustralim? Un Afani? Kif Kif? Incroyable! Et tu connais la famille Fatmi, oui? La famille Fatmi, oui? Oui? Ah, c'est ta famille? Eh ben, la même famille alors! La tante de l'oncle à la belle sœur. En fait, mais oui, elle est mariée avec la nièce à mon oncle Rachid. Oui, ah, malahba. À combien tu me fais le téléviseur là? Rouya, hein, chef? Ah, les darons robeux, ils sont forts, hein. Oh là, ils pourraient t'acheter une play à 10 euros. Eux, 10 euros, ils l'achètent, hein. Chal la play, 1000 euros. Tu me dis qu'à l'IA, hein, Rouya? T'habites où en Algérie? Warhan? Elle a fini! Elle a kiff-kiff! Malahba! Alouah, Mboussik! Alouah! Phrase préférée des darons qui veulent baisser le prix. Voilà. Combien la voiture? 5000 euros! C'est cher, hein? T'es d'où en Algérie? C'est chief! Elle a fini! Quand t'es algérien, c'est spécial, hein? Je crois qu'il n'y a que nous, les Algériens. On est là, posés tranquille. T'es un mec qui te tape dans le dos, tu te retournes. Frère, tu sais qu'on est de la même famille tous les deux? Pas proche, pas de la famille proche, hein. Mais on est de la même famille. Ouais, ouais. T'es d'où en Algérie? Mezouna? Elle a fini. Elle a kif